À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. À quoi ça sert de dormir? Au lit, c'est l'heure de dormir. Pourtant, tu as bien envie de finir ce dernier niveau de ton jeu vidéo préféré. Erreur. En effet, le sommeil est ultra important. Tu peux penser qu'il ne sert qu'à se reposer. C'est faux. La nuit, ton corps continue de travailler. Et l'empêcher de dormir, c'est l'empêcher de faire tout ce qu'il faut pour te maintenir en bonne santé. Mais que fait le corps pendant le sommeil? Déjà, il y a deux types de sommeil importants durant la nuit. Le premier, c'est le sommeil profond et lent, qui va favoriser les réparations du corps. Par exemple, après des efforts physiques, comme une compétition sportive, le sommeil lent est plus long. C'est durant ce sommeil que la peau produit de nouvelles cellules, que le corps évacue ses déchets, que tu consolides ta mémoire. Mais aussi que tu grandis. Durant le sommeil lent, ton corps produit des hormones de croissance. Un enfant avec un mauvais sommeil grandit moins bien. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal. Durant cette période, tu as les yeux fermés, mais ils bougent rapidement sous tes paupières. C'est un moment où tu rêves beaucoup. Ton cerveau est très actif, quasiment autant que quand tu es éveillé. Aujourd'hui encore, les médecins se demandent à quoi servent les rêves. Par contre, on sait que le sommeil paradoxal favorise la créativité. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon sommeil permet de diminuer le risque de développer des maladies. Et il permet de mieux apprendre, d'être de bonne humeur et plus performant. Alors, tu n'as toujours pas envie de dormir? Tu te poses des questions? Nous, on y répond.